Alléluia. I worship you. I worship you. Alléluia. Loue ton Dieu, papa. Loue ton Dieu, loue ton Dieu. Loue ton Dieu, bien-aimé. Loue ton Dieu. Loue ton papa. Loue ton papa. Loue ton Dieu. Loue ton tout, ton bouclier. Loue-le car il mérite. Sois élevé, sois exalté. Sois adoré, sois élevé. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je t'élève comme un étendard. Je viens t'élever comme un étendard. Je viens t'exalter, je viens t'adorer. Je viens te dire merci pour tes hauts faits. Merci pour tes bienfaits. Merci pour les choses visibles. Merci pour les choses invisibles. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. Merci pour toutes choses visibles et invisibles. Merci pour ma délivrance totale. Merci pour la délivrance totale de mon frère. Merci pour la délivrance totale de ma soeur. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci car tu nous ouvres les écluses des cieux. Merci car tu es notre tout. Tu es notre bouclier. Tu es notre médecin par excellence. Tu es notre médecin par excellence. Merci pour la guérison que tu me donnes. Merci pour ta paix, la paix qui vient du ciel. Merci pour ta paix dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Merci pour la paix de Dieu. Merci Yahweh pour la délivrance totale. Merci Jésus, merci mon juste juge, car tu t'élèves pour me faire justice sur tout ce qui n'est pas les dieux dans ma vie, sur les esprits mauvais, sur tout ce qui n'est pas les dieux dans ma vie. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, merci car tu t'es levé pour moi, tu t'es levé pour moi, tu as écrabouillé, tu as écrasé tout esprit mauvais, tout mari de nuit, toute femme de nuit, tout ce qui n'est pas de toi, tu as déraciné cela. Merci car tu es élevé sur les esprits mauvais. Merci car je t'élève, je t'exalte. Merci pour les choses visibles, pour les choses invisibles. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour le souffle de vie. Merci car tu es le commandant en chef des armées célestes. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, merci Jésus. Je te dis merci ce matin. Je te dis merci ce matin. Je te dis merci ce soir. Merci ce soir, les princes des princes. Merci mon tout, merci mon tout, merci mon tout. Sois élevé, sois exalté. Merci mon papa adoré. Merci mon époux. Merci car tu t'es levé pour moi. Merci, sois élevé, sois adoré. Je viens t'exalter, je viens t'adorer. Mon médecin par excellence, mon avocat, mon juste juge. Tu es un Dieu de justice. Tu n'es pas un Dieu d'injustice. Tu es un Dieu de justice. Tu t'es levé pour tes enfants. Tu t'es levé pour moi. Tu t'es levé pour ma vie. Merci pour ma délivrance totale. Merci pour la délivrance totale de mes enfants. Merci pour la délivrance totale de mon époux. Merci pour la délivrance totale des bien-aimés. Merci pour le ciel ouvert. Car tu nous ouvres les écluses des cieux. Tu nous ouvres les écluses des cieux. Merci pour les écluses des cieux qui est ouvert au-dessus de nos têtes. Alléluia, tendre Père, que ton règne vienne, que ta volonté se manifeste dans nos vies, au ciel comme sur terre, au nom de Jésus, que ton règne se manifeste dans la vie de tous célibataires, ô Seigneur, que ces célibataires célèbrent leur mariage, que ces célibataires célèbrent leur mariage, car la Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, papa, ô lève-toi, que ton règne vienne dans la vie de chaque célibataire, que ton règne viennent dans la vie de chaque célibataire qui doivent goûter, oui Seigneur, le bonheur du mariage, l'homme que tu as prévu pour ma soeur, l'homme qui a ton cœur, l'homme qui a le cœur de Dieu, l'homme qui fera attention à ma soeur, l'homme qui partagera tout avec ma soeur, l'homme qui sera uni avec ma soeur, l'homme qui sera uni, qui aura le cœur de Dieu, l'homme qui sera converti, qui aura l'esprit de Dieu. Oui, Seigneur, l'homme qui va prier avec ma sœur, l'homme qui va veiller sur sa maison, envoie-lui cet homme, envoie-lui cet homme, envoie-lui cet homme, cet homme que tu as prévu pour elle, pour qu'elle ne souffre pas dans son mariage, au cas où il y aura des combats, que cet homme s'élève avec ma sœur
pour prier Dieu, pour prier Dieu, un homme de prière, un homme de prière, un homme de prière. Seigneur Dieu, ton règne vienne dans la vie de chaque couple marié, papa, que tu enlèves, tu déracines tout ce qui n'est pas de toi, tu déracines les femmes étrangères, tu déracines l'homme étranger, que tu déracines, papa, tout ce qui n'est pas de toi, Yahweh, restaure le couple, déracine les maris et les femmes de nuit dans la vie de tout un chacun. Seigneur, tu as dit que la corde à trois fils ne se rompt pas facilement, papa. Ô Seigneur, que le couple de ma sœur Betty et son époux Patrick, oh, que la corde à trois fils ne se rompt pas facilement, Seigneur. Lève-toi dans ces mariages, lève-toi dans ces couples, restaure, 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 envoie-lui l'ange, l'ange, l'ange le plus puissant, afin de réveiller sa mémoire, l'amour qu'il a pour sa femme, l'amour qu'il a pour ses enfants. Seigneur Dieu, c'est toi qui restaure, c'est toi qui change. J'appelle ce cœur au pied de ta croix. J'appelle le cœur de chaque époux au pied de ta croix. J'appelle le cœur de chaque femme au pied de ta croix. Seigneur, si nous sommes convertis, Seigneur, si nous te servons ensemble, l'ennemi n'aura pas sa place. L'ennemi ne peut pas régner. C'est pour cela que je t'appelle. J'appelle ton règne dans nos foyers. J'appelle ton règne véritable dans nos couples, papa. Assis-toi au milieu de nous. Assis-toi au milieu de la femme et son époux. Assis-toi au milieu de moi et mon époux. Assis-toi au milieu de Betty et son époux. Assis-toi au milieu de chaque femme et son époux. Soit au milieu, soit au milieu, soit le troisième fil, soit le troisième fil qui restaure. Que ton règne vienne dans nos mariages. Que ton règne vienne pour les célibataires, papa. Ô Seigneur, touche mon frère qui cherche la femme de sa vie, qui cherche la femme de sa destinée, papa. Seigneur Dieu, mets une connexion divine entre mon frère et cette femme vertueuse. Vertueuse, cette femme qui obéit à la parole de Dieu, cette femme de prière, cette femme qui respecte son mari, cette femme qui sait que c'est son mari le chef de la famille, cette femme qui sera le bonheur de son époux. Envoie cette femme, que ton règne vienne, dans la vie de tout un chacun, papa. Ô Seigneur Dieu, que ton règne vienne dans nos vies, papa. Ô, appelle le travail, j'appelle le travail dans la vie des personnes qui sont au chômage, papa. Ô Seigneur, je brise la limitation. Que ton règne vienne sur nos finances. Je brise le chômage dans la vie de tout un chacun. Que ton règne vienne, que ton règne enlève les limitations, les manques. Seigneur Dieu, que ton règne vienne dans nos vies. Que les esprits mauvais ne puissent plus régner sur nos vies, dans le nom de Jésus. Que les esprits mauvais ne puissent plus régner dans la vie de nos enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Que nous puissions avancer, dans chaque domaine, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, dans ta parole que nous prospérons à tous égards. Oui, Seigneur, je prospère à tous égards. Mon frère prospère à tous égards. Ma sœur prospère à tous égards. Donne-nous la victoire sur tout esprit mauvais qui nous empêche d'avancer dans chaque domaine dans nos vies. Seigneur Dieu, ceux qui ont des entreprises, ceux qui ont déjà du boulot, que ces personnes soient élevées, élève-les dans leur travail, qu'ils soient augmentés de grade. Seigneur Dieu, souviens-toi des hôtels de tout un chacun. Souviens-toi de l'hôtel que Betty a élevé, que cet hôtel parle, parle pour briser les mauvais esprits, pour briser les hôtels familiaux, pour briser les jougs, les malédictions dans sa vie, dans la vie de son époux. Papa, Seigneur Dieu, souviens-toi des prémices de tout un chacun. Souviens-toi des dîmes de tout un chacun, des offrandes de tout un chacun. Que ces offrandes, ces prémices, ces autels parlent dans la vie de tout un chacun. Ces autels parlent dans la vie des enfants, de Darlette, papa. Ô Jésus, souviens-toi de chacun de nous. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour le ciel ouvert. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dites avec moi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu vivant, viens te manifester puissamment. Viens me mouver, mouve-moi complètement.
Viens te manifester, viens te manifester, l'Esprit de Dieu vivant. Ramène-nous des témoignages puissants. Ramène-nous des témoignages puissants. Ramène-nous, Saint-Esprit. Oh, mets sur moi une triple onction qui brise les jougs, qui ramène des miracles dans la vie de tout un chacun, qui ramènera des prodiges, des signes, des délivrances totales, afin que nous puissions témoigner le nom glorieux de Jésus-Christ dans nos vies. Saint-Esprit, viens m'entourer de ta muraille de feu. Viens m'entourer de ta muraille de feu. Viens m'entourer de ta muraille de feu. Je t'adore, l'Esprit de Dieu vivant. Je t'adore, l'Esprit de Dieu vivant. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens intercéder. Viens glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à travers ta servante. À travers ta servante. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang qui nous purifie, qui brise les jougs, qui enlève tout péché conscient et inconscient. Merci pour le sang de l'agneau immolé qui crie à notre faveur dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous ne sommes pas en direct, même si j'ai tendance à me répéter, on va prier cette fois-ci. On va prier cette prière-là. On va de temps en temps, je vais répéter, mais je ne vais pas répéter trois fois chaque fois. Mais c'est à vous de répéter cette prière-là. C'est à faire à partir de minuit à 3 heures du matin. Et c'est à refaire dans la journée. Ça serait bien si vous pouvez refaire dans la journée et aussi le soir. Voilà. Et aussi le soir, vous reprenez les mêmes points de prière dans le nom de Jésus. Jérémie 10, verset 10, 11. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. C'est notre verset de base. La terre tremble devant sa colère. Que la colère de Dieu s'abatte sur tout esprit mauvais dans nos vies, dans le nom de Jésus. Et les nations ne supportent pas sa fureur. Alléluia. Merci Jésus pour cette parole. Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et des dessous les cieux. Les dieux, les faux dieux vont disparaître dans nos vies. Les faux dieux, tout ce qui n'est pas de Dieu, même tout ce que nos ancêtres ont fait, ils vont disparaître dans la vie de tout un chacun, afin que nous puissions trouver notre délivrance totale dans le nom de Jésus. Le psaume 68, verset 35, le psaume 68, verset 35, de ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable, le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance, béni soit Dieu, Papa. Oh, alléluia, que cette parole soit esprit et vie. Oui, cette parole est vraie et est véridique, bien aimé, car c'est un Dieu, nous avons un Dieu redoutable, nous avons un Dieu puissant, le Dieu de délivrance, le Dieu qui nous donne la victoire dans chaque combat dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus, merci Papa. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons... Excusez-moi deux secondes. Je vais changer. Je vais changer de louange. Nous allons rentrer dans notre intercession. Reposakabashi. Que l'Éternel soit béni, qu'il soit exalté, qu'il soit béni au plus haut de son trône. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. Bien-aimé, on déclare ensemble, ô Éternel des armées, combat pour moi et disgracie mes ennemis et mes problèmes maintenant par ton feu dévorant au nom de Jésus. Ô Éternel des armées, combat pour moi et disgracie mes ennemis et mes problèmes maintenant par ton feu dévorant au nom de Jésus. Ô Éternel des armées, combat pour moi et mon époux, si tu es marié, ou mes enfants, et disgracie nos ennemis, nos problèmes maintenant par ton feu dévorant au nom de Jésus. Ramène la paix véritable dans le cœur de mon époux, dans le cœur de ma femme, dans le cœur de mes enfants. Que toute prison satanique dans les eaux, ouvrez-vous par le feu et libérez ma destinée au nom de Jésus. Toute prison satanique dans les eaux, ouvrez-vous par le feu et libérez ma destinée au nom de Jésus. Toute prison satanique dans les eaux, ouvrez-vous par le feu et libérez ma destinée au nom de Jésus. Toute prison satanique dans les eaux, ouvrez-vous par le feu et libérez ma destinée au nom de Jésus. Libérez mon mariage, libérez ma destinée, libérez chaque domaine dans ma vie. Toute prison satanique dans les eaux, ouvrez-vous par le feu et libérez mes percées au nom de Jésus. Toute prison satanique dans les eaux, ouvrez-vous par le feu et libérez mes percées au nom de Jésus. Toute prison satanique dans les eaux, ouvrez-vous par le feu et libérez mes percées au nom de Jésus. Toute prison satanique dans les eaux, ouvrez-vous par le feu et libérez mes percées au nom de Jésus. Mon mariage, Seigneur Dieu, mon mariage, mon travail,
prospérité, ma promotion, mes progrès, mes témoignages, mes bienfaiteurs, étoiles, gloire, visa, mes entrailles, enfermés, soyez libérés par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon mariage, mon travail, prospérité, ma promotion, mes progrès, les témoignages, papa, mes témoignages, mes bienfaiteurs pour mon église, mes bienfaiteurs autour de moi, papa, étoile, gloire, visa, entrailles, enfermés, soyez libérés par le feu, mon mariage, mon travail, ma prospérité, ma promotion, mes progrès, mes témoignages, Yahweh, bien, mes bienfaiteurs, mes étoiles, ma gloire, mon visa, ma carte de séjour, ma carte française, ô Seigneur, là où vous êtes, vous déclarez les choses qui vous concernent, à mes entrailles, enfermées, soyez libérés par le feu du Saint-Esprit. Ma vie, ma destinée, sortez de la cage, de la stagnation maintenant même, par le feu, par la force, sortez au nom de Jésus. Ma vie et ma destinée, sortez de la cage, de la stagnation maintenant même, par le feu, par la force, au nom de Jésus. Sortez, ma vie, ma destinée, sortez de la cage, de la stagnation maintenant même, par le feu, par la force, sortez, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout pouvoir maléfique assis sur mes droits, sur mes possessions, soit renversé par le feu au nom de Jésus. Tout pouvoir maléfique assis sur mes droits, sur mes possessions, soit renversé par le feu au nom de Jésus. Tout pouvoir maléfique assis sur mes droits, sur mes possessions, soit renversé par le feu au nom de Jésus. Soit renversé par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous mettez les index aux cieux, tout pouvoir maléfique qui a juré que je ne serai pas la tête, que je ne brillerai pas, que je serai toujours en bas, que ma vie sera une vie de pleurs, ma vie sera une vie de détresse. Citez ce qui vous concerne, bien-aimé, dans mon mariage, dans chaque domaine de ma vie, dans mon travail, dans mon ministère, dans mes finances, papa, dans mon futur travail, citez les choses qui vous concernent, dans mon futur mariage, tu es un menteur, péris par le feu à jamais au nom de Jésus. Je donne des exemples, bien-aimés, mais vous dites les choses qui vous concernent. Oui, tout pouvoir maléfique qui a juré que je ne serai pas la tête, je ne brillerai pas, je serai toujours en bas, que ma vie sera une vie de pleurs, une vie de détresse. Oui, Seigneur, je déclare devant les cieux que tu es un menteur, péris par le feu à jamais au nom de Jésus. Tout pouvoir maléfique qui a juré que je ne serai pas la tête, que je ne brillerai pas. Oui, Seigneur, que je serai toujours en bas, que ma vie sera une vie de pleurs et de détresse, papa. Oui, Seigneur, dans chaque domaine de ma vie, je dis que le diable, tu es un menteur. Tu es un menteur, tu péris par le feu de l'Éternel, tu péris maintenant par le feu de Dieu, tu péris ensemble, au nom de Jésus. Tout esprit d'infirmité qui mange ma chair et qui boit mon sang, qui mange ma chair et mon sang, devienne ton poison, car je suis caché en Jésus-Christ. Je suis caché en Jésus-Christ. La bonne santé est mon héritage en Jésus-Christ. Toute infirmité est maudite à la racine par le sang de Jésus-Christ. Tout esprit d'infirmité qui mange ma chair et qui boit mon sang, ma chair et mon sang deviennent ton poison, car je suis caché en Jésus-Christ. Je suis caché en Jésus-Christ. La bonne santé est mon héritage en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et toute infirmité est maudite à la racine. Maintenant, toute infirmité dans ma vie est maudite à la racine par le sang de Jésus-Christ. Ô Seigneur, tout esprit d'infirmité qui mange ma chair, la chair de mon époux, de mes enfants, qui boit nos sangs, qui mange ma chair et mon sang, devienne ton poison. Ma chair et mon sang, la chair de mon époux et son sang, la chair de mes enfants et son sang deviennent un poison, car nous sommes cachés en Jésus-Christ. La bonne santé est notre héritage en Jésus-Christ. Et toute infirmité est maudite à la racine. Toute infirmité est maudite à la racine. Toute infirmité est maudite à la racine par le sang de Jésus. Alléluia. Rebo sakabashé. Maintenant, vous allez étendez vos mains comme si vous allez recevoir quelque chose. Voilà. Et dites, je reçois par la foi mes miracles.
Je reçois par la foi ma restauration de mon foyer. Je reçois par la foi mon travail. Je reçois par la foi la restauration de mon travail, de mes finances, de mon ministère. Je reçois par la foi. Je reçois mes miracles. Je reçois mes prodiges. Je reçois mes signes. Je reçois mes témoignages au nom de Jésus. Je reçois maintenant. Je les reçois. Je les reçois. Je reçois mon futur mariage. Je reçois mon mariage. Je reçois ma restauration. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance, je reçois mes miracles, je reçois mes signes, je reçois mes prodiges, je reçois mes signes, je reçois mes témoignages, je les reçois, 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 au nom de Jésus, je les reçois, maintenant, maintenant, j'ai dit aujourd'hui, je reçois aujourd'hui, pas demain, je reçois aujourd'hui, je reçois aujourd'hui, je les déclare, je les confesse, je les prophétise, je les déclare, je les confesse, je les prophétise. Je le déclare, je le confesse, je le prophétise, je le déclare, je le confesse, je reçois, je reçois, je reçois au nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus, je reçois ma part, je reçois mes bénédictions, je reçois ma bénédiction, je reçois mes bénédictions, je reçois mes miracles, je reçois mes prodiges, je reçois mes signes, je reçois mes témoignages, je reçois au nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus, que tout chemin, dites avec moi, que tout chemin, tout aux portes de progrès, tout chemin, tout aux portes de progrès, tout aux portes de prospérité, que les pharaons des eaux avaient fermé contre moi, s'ouvre maintenant par le feu au nom de Jésus. Ephrata, 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 Ephrata. Que tout chemin, tout aux portes de progrès, tout aux portes de prospérité, que les pharaons des eaux avaient fermé contre moi, s'ouvre maintenant, par le feu, Ephrata, 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 au nom de Jésus, Ephrata, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout chemin, tout chemin, tout chemin, tout aux portes de progrès, tout aux portes de progrès, de prospérité, que les pharaons des eaux avaient fermé contre moi, s'ouvre maintenant, par le feu, par le feu au nom de Jésus. Ephrata, 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 au nom de Jésus. 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 Rebo sakadashi. Alléluia. Que tout rassemblement, tout regroupement maléfique contre moi, à cause de mes prières, à cause de mes déclarations prophétiques, soit dispersé par le tonnerre de feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je remercie mon Dieu pour la délivrance et l'exaucement de nos prières. Je remercie mon Dieu pour la délivrance totale de ma vie et l'exaucement de mes prières, au nom de Jésus. Que la paix de Dieu vous accompagne, que la paix de Dieu soit dans le cœur de vos époux, pour que la paix de Dieu soit dans le cœur de vos femmes, que la paix de Dieu soit dans vos familles avec vos enfants. Seigneur Dieu, que ton ciel reste ouvert dans la vie de tout un chacun. Seigneur, nous voulons ta délivrance totale. Nous voulons la délivrance de nos familles. Nous voulons la délivrance de nos familles. Éloigne de nous les mauvaises compagnies. Éloigne de nos époux les mauvais amis, les mauvaises compagnies, les mauvais conseillers. Éloigne nos époux des mauvais conseillers. Éloigne nos époux des personnes qui ne sont pas converties. Ancrées en toi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tu connais les soucis de l'église porte des cieux, papa. Oui, Seigneur, que ton règne vienne dans l'église porte des cieux. Que ton règne vienne dans l'église porte des cieux. Donne à l'église porte des cieux ce qui manque, papa. Donne à l'église porte des cieux ce qui nous manque, Yahweh. C'est toi qui connais. Tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Donne à l'église porte des cieux ce qui manque au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que l'église porte des cieux aussi trouve sa délivrance. Enfant des pouvoirs, Seigneur mon Dieu, mon roi total, des pouvoirs ramener des âmes perdues. Ô Seigneur, les âmes perdues, papa. Ô Seigneur, tu t'es levé pour l'église porte des cieux. Ô Seigneur, les livres que nous avons sortis, Yahweh, que ces livres puissent toucher des âmes perdues, le monde entier, le monde entier, le monde entier. Enfin aussi, que nous puissions aider les orphelins à travers nos églises, notre église, que nous puissions aider les orphelins à travers notre église, que nous puissions aider même d'autres ministères à travers notre église, que nous puissions aider des familles défavorisées à travers notre église, Seigneur.
touche les cœurs, que la délivrance totale les touche, qu'ils puissent venir en Jésus-Christ, qu'ils puissent venir en Jésus-Christ, que l'Église porte des cieux ne manque de rien, ne manque de rien, que l'Église porte des cieux soit prospère à tous égards, soit une bénédiction pour le monde entier, soit une bénédiction pour le monde entier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, touche les partenaires, touche les partenaires, touche les partenaires, touche les partenaires qui puissent nous aider à faire avancer ces ministères, que ces ministères manquent de rien, que ces ministères manquent de rien, que nos foyers, nos couples manquent de rien. Restaure-nous, que les célibataires ne restent pas célibataires. Nous brisons l'esprit des célibats. Nous brisons les célibats chroniques. Nous brisons cela dans le nom de Jésus. Maintenant que nous sommes restaurés, ô Seigneur, nous brisons l'esprit des célibats. Nous brisons l'esprit des sorcellerie. Nous brisons l'esprit des maris et femmes de nuit. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi dans le nom glorieux de Jésus. Nous venons briser le chômage. Nous venons briser les manquements. Nous venons briser les manquements. Nous venons briser les histoires sans fin dans nos familles, dans nos foyers. J'appelle la restauration. J'appelle la restauration. J'appelle la bénédiction totale, la bénédiction de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la bénédiction, toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, l'autel que Marie-Pauline a élevé pour sa maman chérie, papa, que cet autel parle dans la vie de sa maman, que cet autel parle dans la vie de sa maman, que l'autel, quand l'autel va parler dans la vie d'une mère, où tous les enfants trouvent leur délivrance à travers elle, que tous ses enfants trouvent leur délivrance à travers elle, au nom de Jésus. Ô Seigneur, que l'autel que Marie-Pauline a élevé pour sa maman, Seigneur, que cet autel brise les autels maléfiques, les autels familiaux, que sa maman, ô Seigneur, qu'elle prospère à tous égards, qu'elle puisse avoir la paix qui vient de toi, la paix dans son cœur, que ses enfants puissent être délivrés à travers cette maman, à travers cette maman qui se préoccupe de la vie de ses enfants, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, ô Seigneur, touche la famille d'Agnès également. Seigneur Dieu, ô les miracles que tu as fait dans la famille de Marie-Pauline, Seigneur, fais les mêmes miracles dans sa vie. Seigneur Dieu, qu'elle soit délivrée de tout ce qui n'est pas de toi, que sa famille soit délivrée de tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur, tes miracles, nous voulons tes prodiges, nous voulons tes signes, nous voulons tes témoignages puissants, enfin aussi de témoigner ta puissance dans nos vies pour les âmes perdues, pour toi, pour toute la gloire, pour te donner toute la gloire, pour témoigner pour notre Dieu, pour témoigner la grandeur de notre Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, utilise-moi comme bon te semble. Utilise-moi afin que je sois un canal de délivrance, afin que je sois un canal de délivrance pour ton peuple, que je sois un canal de délivrance pour ton peuple. Nous voulons témoigner ta puissance, ta grandeur pendant ces 7 jours de jeûne, papa. Oh, que utilise-moi, que je sois un canal de délivrance pour mes frères et sœurs, que je sois un canal de délivrance pour mes parents, que je sois un canal de délivrance pour ma famille, côté paternel, côté maternel, pour mes cousines, papa, que je sois un canal de délivrance pour mes tatas, pour mes tontons, que je sois un canal de délivrance pour le monde entier, papa, que les prophéties, la prophétie que tu as dans ma vie, les prophéties que tu as parlé dans ma vie, papa, qui a été confirmée à plusieurs reprises, Yahweh, Seigneur Dieu, que ces prophéties s'accomplissent dans ma vie, oh, c'est pour la gloire de ton nom, que ces prophéties s'accomplissent dans ma vie, papa, que je puisse être un canal de délivrance pour le monde entier, je puisse être un canal de délivrance
pour le monde entier. Oui, Seigneur, pour le monde entier, que ton église touche le monde entier, que ça me ramène même des déplacements, papa. Oh Seigneur, oui, les visions, les prophéties s'accomplissent dans ma vie. Les dons prophétiques, papa, s'accomplissent dans la vie de tout un chacun. Les dons que tu as mis dans la vie de tout un chacun. Oh Seigneur, que ces dons se réveillent maintenant. Que ces dons s'accomplissent. Les dons de Dieu s'accomplissent dans la vie de tout un chacun. Tout ce que Dieu a mis à toi, que ces dons s'accomplissent dans ta vie pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les dons de guérison, les dons de prophétie, les dons de restauration, les dons de sagesse, papa. Ô Seigneur Jésus, lève-toi dans ma vie, que tous les dons que tu as mis en moi, que ces dons se manifestent encore plus puissamment, que ces dons se manifestent encore plus puissamment. Maintenant, Seigneur, que nous sommes totalement délivrés, nous demandons ta bénédiction abondante. Nous sommes bénis en toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons ta bénédiction, nous avons ta main puissante. Ô Seigneur, Seigneur, nous avons tes prodiges, tes signes, tes miracles dans nos vies, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci Papa, merci Yahweh. Sois élevé, nous te disons merci pour la délivrance totale, merci pour l'exaucement de nos prières totales. Nous plongeons chaque déclaration prophétique dans ton sang, que ton sang crie en notre faveur. Chaque déclaration que nous avons faite, nous les plongeons dans ton sang. Merci car tu nous exauces. Merci car tu nous donnes des témoignages puissants. Merci pour les signes, les prodiges, les miracles dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu, bien-aimé. Acclamation totale. Nous allons louer notre Dieu jusqu'à ce que ça coupe. Jusqu'à ce que ça coupe, je tiens à louer notre Dieu. Voilà, jusqu'à ce que ça coupe. On va louer notre Dieu bien-aimé, comme il y a encore de la place. Allez, loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu. C'est très important. C'est très important. Et quand nous allons, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous massivement. Et demain, on sera à partir de minuit là aujourd'hui. À partir de minuit de demain, bon, on va dire, on va rentrer dans le dimanche. On sera en live sur Église Porte des Cieux. Abonnez-vous. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Car il t'a délivré. Il t'a ramené des miracles. Il t'a ramené des prodiges. Il t'a ramené des signes. Il a délivré ta famille. Il a délivré ton mari. Il a délivré ta femme. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Rebo Sakabashi. Alléluia. Alléluia. C'est notre consolation. Oh, notre pourvoyeur. Allez, loue ton Dieu, bien-aimé, loue ton Dieu. Je sais tu es tout pour moi. Mon ami, mon ami, mon ami, je sois Jésus. Papa adoré. Alléluia. Danse, danse pour ton Dieu. Alléluia. Loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu. Les hommes et les mondes.
pourquoi je prie comme ça. Pourquoi je jeûne comme ça. Demande pourquoi je suis comme ça. Alléluia. Mon ami est, mon ami est, mon ami est, et toi je... Alléluia. Allez, danse pour ton Dieu, car il t'a délivré, il t'a ramené des miracles, des prodiges, des signes. Danse pour ton Dieu, car il mérite toute la gloire. Donne-lui toute la gloire, bien aimé, danse pour ton Dieu. Quand tu danses, ils ne sont pas contents. Ils sont dans les lieux arides. Oui, tous tes ennemis sont dans les lieux arides. Les esprits mauvais sont dans les lieux arides. Tous tes ennemis, les ennemis de ta vie, physiques et spirituels, ils sont tous dans les lieux arides. Alors danse pour ton Dieu. Allez, danse, danse, danse. Je sais que nous allons témoigner. Je sais que nous allons tous témoigner. Nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Nous allons témoigner la puissance de Dieu. Nous allons témoigner. Nous allons témoigner. Allez, danse pour ton Dieu. Danse. Danse, danse, danse. Ami, les grands. Oui, parmi les grands. Oui, parmi les grands. Alléluia. Les Alléluia, allez, 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 danse, danse. Danse, 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 danse. Pourquoi? Les hommes me demandent pourquoi nous prions comme ça. Alléluia. Oui, nous savons. C'est notre ami. C'est notre ami fidèle. C'est notre Dieu de délivrance. C'est notre papa adoré. Il nous donne la victoire. Il nous donne la victoire. Il nous donne la victoire. Oh, c'est notre consolateur. Ma consolation. Ma consolation. Ma consolation. Ma consolation. Ma consolation. Tu as essuyé nos larmes. Alléluia. Il nous a fait s'asseoir parmi les grands. Parmi les grands. Acclame pour ton Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Danse pour Dieu. Danse pour ton Dieu. Il t'a donné la victoire. Ne doute pas. Ne doute point dans ton cœur. Ne doute point dans ton cœur. Tu as la foi. Reste comme ça. Avec la foi à ton Dieu. Car ce n'est pas un Dieu menteur. C'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le Dieu de la Bible. À l'époque, c'est le Dieu de la Bible. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, il est pareil. Il est le même. C'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. C'est pas un Dieu mort. C'est pas un Dieu mort. C'est notre consolation. C'est notre tout. C'est notre bouclier. C'est notre Dieu de victoire. Il est notre tout. 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 Alléluia. C'est ta consolation. C'est le Dieu de ta délivrance. Déclare avec moi. Amen. Il nous ouvre les bonnes portes. Alléluia. Il dit Lévitique viens. Il dit Lévitique viens. Il dit Lévitique viens. Allez, dis ton nom. Il a dressé une table devant nos adversaires. Mon ami est, mon ami est, je vais manger aussi. Bouge, bouge. Allez, loue ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse grâce encore. Ma consolation. Ma consolation. Ma consolation. Ma consolation.
Acclame pour ton Dieu, acclame pour ton Dieu, là où tu es, acclame pour ton Dieu, acclame pour les choses visibles, pour les choses invisibles, acclame-le pour les choses qu'il est en train de faire maintenant, en ce moment, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse abondamment. C'était très puissant, c'est très puissant, Dieu nous a fait grâce, la miséricorde de Dieu est... Dieu nous a accordé sa miséricorde. Nous avons loué notre Dieu. Nous l'avons exalté. Nous l'avons encore élevé au plus haut des cieux. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le ciel ouvert. Dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Nous avons exalté. Amen, amen. Nous avons élevé. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Je dis shalom dans vos vies. Shalom dans chaque domaine dans vos vies. Shalom dans vos familles. Shalom dans vos familles. Shalom dans vos vies. Dans chaque domaine, je dis shalom. Je dis shalom. Je dis shalom. Shalom, ça veut dire la paix. Je vous dis shalom. Shalom et à bientôt. À bientôt. C'est notre sixième jour de jeûne. Il nous reste encore une bonne prière à faire pour clôturer et nous allons après rendre grâce à notre Seigneur au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez dans la paix, restez dans la joie et suivez les conseils, évitons les discussions inutiles. Alléluia, c'est très important, restez dans la présence de Dieu. Shalom.